Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on est ensemble pour un nouveau jeu sur ma chaîne. Alors est-ce que vous l'avez reconnu, puisque le logo et le nom du jeu ne s'y trouvent pas actuellement? Est-ce que vous l'avez reconnu? C'est un jeu qui est sorti en 2013. Alors 2013, c'est un jeu qui appartient à la catégorie Survival Horror. Un petit indice de plus, toujours pas. Ça a été développé par Naughty Dog. Et enfin, le second opus de cette licence sortira très certainement en 2020. Avez-vous trouvé? Mais oui, évidemment, il s'agit donc de The Last of Us. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez reconnu, rien qu'en regardant l'image principale. Donc voilà, nouveau jeu sur ma chaîne, The Last of Us. Pourquoi le faire actuellement? Eh bien, parce que déjà j'en avais envie. De deux, je vous l'ai dit, le second opus sortira très certainement l'année prochaine. Donc, qui dit sortir l'année prochaine dit se remettre dans le bain. Et je pense que c'est exactement le bon moment pour se remettre dans le bain. Pour se rappeler de ce jeu formidable qui est The Last of Us. Alors, je vous ferai forcément le jeu principal, mais aussi le DLC Left Behind. Left Behind qui se situe, une partie se situe avant le jeu principal et une autre partie se situe pendant le jeu principal, donc je vous le ferai à la fin pour éviter les spoilers et autres incohérences en fonction de là où on se trouve dans l'histoire. Voilà. Et ben on perd pas plus de temps que ça. The Last of Us, c'est parti. Nouvelle partie plus non. Alors je ne vous le fais pas en découverte. Je l'ai déjà fait une fois ce jeu. Et j'ai dû le faire en 2016, je dirais. Ouais, je dirais que c'est ça. Donc autant vous dire que je ne m'en rappelle plus, hein. Ou très très peu. J'ai des souvenirs, des vagues souvenirs. Le début je m'en rappelle. Mais alors après à un moment donné, flou complet. Alors, on va pas faire nouvelle partie plus parce que je n'ai pas envie de reprendre mes affaires. On va se la faire à la loyale, en normal. Alors, on va voir. Ah bah non, 31 mai 2019. Non, je n'ai pas fait le 31 mai 2019, c'est pas possible. C'est impossible. Allez, bah nouvelle partie sauvegardée. Et nous y sommes. Alors, je m'excuse déjà d'avance, j'ai le nez complètement bouché. Donc, si vous m'entendez éternuer ou renifler, je m'en excuse d'avance. Alors, les chargements sont assez longs dans ce jeu-là. Mais, par contre, une fois qu'il y en a eu un, il n'y en a plus après. Très très peu. Hop là, voilà, je suis préparé au pire.
Je vous avais prévenu que les chargements étaient plutôt longs, hein. Par contre, vous pouvez aussi vous ambiancer et écouter la magnifique petite musique relaxante à la fois et également inquiétante. Voilà, vous avez un chargement de pourcentage. Donc ouais, il y a les deux sentiments un peu relaxante et oppressante. Et ça, c'est plutôt pas mal hein, pour comme style de musique, puisque dans beaucoup de Surreal Horror, on a affaire qu'à des musiques terrorisantes et stressantes. Là, on change de cap. On est un peu à la frontière entre un Resident Evil et un Uncharted. Uncharted qui n'est pas du tout un Survival Horror. Donc on prend un peu des deux et on obtient The Last of Us. Bien. Alors, là maintenant, c'est parti. On passe aux choses sérieuses. Tommy, 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 écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te Mais coucher. c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est Quoi? gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non, 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 non! Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bon, jusque-là, tout va bien. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Allez, c'est parti. Pourquoi l'oncle Tommy nous a appelés à cette heure-ci? Tiens, c'est vrai que je marche comme un zombie. Mince, j'ai oublié de lui donner ça. Congratulations. Félicitations. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde et pourtant bizarrement tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet, bisous, Sarah. Eh ben on va le savoir comment... Pourquoi c'est le meilleur? Alors c'est un... Le personnage... Le père ressemble énormément aux skills de Nathan Drake qui se sont pas trop Papa? foulés pour le design du personnage, je l'avoue. C'est mon ressenti. Alors, explosion des admissions dans les hôpitaux de la région.
300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge, rappel massif attendu. Une femme hystérique tue son mari et trois autres victimes. Des récoltes contaminées. Ah, mais vous voyez, je me rappelais plus comment la pandémie ou l'épidémie a eu lieu. Papa! Très intéressant. Tu es là? Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe tout le pays. Qu'est-ce qui t'est passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Et... Évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Si. C'était quoi? Ah oui, c'est à côté, oui. Papa? Il y a des informations importantes en direct. Il se trouve à proximité de chez nous en plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas sortir, de toute façon j'en avais pas l'envie. Téléphone. Il est où? Il est là. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Ok. Alors. Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas. Commande à manger, on se voit demain matin. Papa! Où est-ce qu'il est? On a un chien? Te voilà. Sarah! Tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens! Sors! Allez! Allez! Tu l'as tué. Sarah. Je l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez! Allez! T'es passé? T'es au courant de ce qui se passe dans quoi? Mais on peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. S'il te plaît. Et il répond avant. Ah, le vieux bug. Une sorte de parasite, je sais pas quoi. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... On réinstalle des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Traverse. Ça veut dire qu'on doit décamper ici. On la 60-61. C'est la fumée. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Dieu,
Comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Oh, merde. Ouh là là. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Tout va Jimmy bien. Ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Mais il y a des dialogues qui sont pas en phase. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. On aurait dû les aider. Recule, ma puce. Recule. Allez, c'est parti. Allez, on se casse de là. Il est mort. Oh putain. Garde les yeux fermés, ma puce. Allez, Tommy, on va où là? Entre nous le chemin. C'est la panique. Ne regarde pas ça. Regarde-moi, ma puce. Par là-bas. C'est la merde partout là. Allez, 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 ouvre ça. Putain. Il est mort. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Allez, allez, on traîne pas, on traîne pas. Allez, oncle Tommy, là, on va plus vite que ça. Dépêche!
Allez, on traîne pas. Putain, y en a un qui sort là. Oh putain, on voit l'ombre. On a besoin d'aide. Stop, s'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas. Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, pitié. Oh mon Dieu. Pitié, pas ça. Pitié. Non. Bon, eh ben dites donc, ça promet. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. D'accord, ouais, c'est un peu les résistants, quoi. Été. Ils mettent pas... Ah si, ça y est. 20 ans plus tard. Ah oui, il a bien vieilli, Joël, depuis. Ouais, j'arrive. T'as bien dormi ? Pas mal. T'en veux un? Non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Tess. Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cab. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? C'est marrant.
Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Ok. Donc on va aller voir un certain Robert avec une avec Tess. Des tickets de rationnement pour manger. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. Eh bien ? Alors, c'est en dehors de la zone de quarantaine, j'imagine. Donc ici, il ne devrait pas y avoir de monstres en tout genre. Je ne veux pas parler de zombies, puisque c'est pas forcément ce à quoi attention. On aura affaire. Mais... Tout citoyen doit être soumis en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Alors, les rations. Oh putain, vous avez vu les tours au fond, comme elles ont bien écroulées. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Nous avons eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Ok. Surtout, reste cool. Ah, on y va ou on y va pas? Tu veux que je passe devant, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Joël, on y va, allez. L2, ok. On dirait qu'il est libre. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok? Alors, kit médical. Soignez vos blessures avec un kit médical. Équipez-vous du kit avec flèche du haut et maintenez R1 pour l'utiliser. Ah oui, effectivement, c'est pas la trousse de soins d'un Tomb Raider. Hein. Il faut fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Ok, donc ce Robert intéresse les Lucioles également. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Je suis baraque, hein, quand même.
C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. Là, je l'ai... Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Vieille télé cathodique en plus. Ah, sans peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ah, merci. Et la lumière fut. Alors attendez, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on loupe là. Quoique, pas forcément. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Cool. Pas au moins. Munitions. On a une arme. Les gaspilles pas. Et alors? Allez. Allez, monte-moi. Voilà. Allez. Sois prudente. Quelle? Je le suis toujours. Dans un resto. C'est une question piège. On peut parler. J'étais pas venu ici depuis un bail. On dit rien. Ouais, ben je suis déjà romantique. Vous avez vu qu'en 20 ans, la végétation a repris ses droits. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est où, l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. On n'a rien. Je visite, hein, du coup. Vous savez comment je joue? Et on est à 32 minutes, déjà. On était dans une pizzeria, pardon. Là, on a quoi? Bon. Cherchons l'échelle. Voilà, elle est là. Pas bien loin. Je l'ai! Super, apporte-la ici. Bah non, enfin Joël. Faut la placer. Voilà. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Ah oui. T'as le beau billard, quel gâchis. En tout cas, ils se sont vraiment creusés, hein, pour modéliser des appartements dans un piteux état.
tout. Ok. On va fouiller. Même si je suis pas sûr que la torche soit très judicieuse. Qu'est-ce que c'est ? David Michael Vigil. Ok. Faut descendre par là. Ok, on descend. Donc on a ouvert. J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison ? On voit bien le mois prochain. On aura des médicaments et des tonnes de munitions. Ouais, il rapporte toujours quelque chose. On aura de quoi faire pour un moment. Attends, des sports. Ah. Donc ça, c'est ce qui nous a... Il y a certaines choses comme ça, là c'est les sports, qui peuvent nous transformer en ces choses bizarres. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent ? Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Il y a des champignons qui lui poussent dessus. On devrait pouvoir passer par là. Oh merde ! Ça va ? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Doucement. Putain ! Attention, attention ! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. En route. Parfait. Ah, c'est dégoûtant. Passage ici. Ensuite fouiller un petit peu. Et si je pouvais trouver des râpes de munitions, ce serait pas mal. Hein. Parce que c'est pas quand on sera en plein combat contre ces monstres qu'on aura la possibilité. Non, bah j'en trouve pas donc. Maintenez R2 pour concentrer l'ouïe de Joël. Ok. C'est donc un infecté. Oh. On les a tous eus. Bon, j'ai déjà usé une balle, je cherche bien. Allez, on retourne en ville. Et ce n'est que les premiers. Hein. Mais c'est vrai que nos points vont être assez efficaces dans ce jeu-là.
Je l'avais oublié. Alors j'ai vu qu'il y avait un escalier. Hein. J'ai bien fait de venir ici. Cool. Tout ce qu'il y avait. Oula, les spores, ils s'en vont assez rapidement, je trouve. J'espère que ce sera corrigé dans le 2. Bon, là, je joue sur PlayStation 3, hein, au cas où vous me demandiez. Enfin, un peu d'air frais. C'est vrai que je n'ai pas fait le remaster sur PS4. C'est le même, c'est juste que les graphismes sont un peu mieux. T'auras qu'à demander du désodorisant à lui. La différence. Eh, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. Mais ouais, là sur PS3, forcément, on va avoir de gros changements graphiques lorsque le 2 sortira. Et il sera aussi adaptable sur la future console de Sony, je pense. Par ici. Alors, ils appellent pas ça encore la PS5. Mais... C'est bon. Il va falloir faire des vaccins contre le tétanos aussi, hein. Vu ce qu'il y a de cassé là. D'accord. C'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. On est à combien de minutes là? 41 déjà. Ça passe vite, hein. Je peux pas tomber. Là. Oui, ben, je l'ai vu. Vas-y, passe à moi. Alors, tu es où? Tu es là. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Mais moi, je peux pas remonter. Ah si, par là, peut-être. Ah oui. Ramène tes fesses, on y va. Parfait. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça là-bas là? N'allons pas trop vite. Plein, merde. Bon bah j'ai rien dit. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Ok. Bon. Pour l'instant, on parcourt la ville. Alors, attends. Ils ont dû en flinguer il y a 20 ans, hein, des désinfectés partout dans cette ville. Ferme-la. Dans cette ville comme dans une autre d'ailleurs.
champion. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Ah bah oui, évidemment. Animals. Tiens, il y a quelqu'un là. Hé, hey, petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldat, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas maintenant, Terence. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok, je peux le faire. Oh, on est dans un village souterrain. Si tu touches, tu payes. Fais gaffe à ta gueule. Défonce-le, mec. Ouais. Putain. Où est-ce que tu crois aller? Reste-toi. Vas-y. Mets-lui dans la tronche. Ah ouais, elle est connue. C'est qui? Vieille prise de tête, cherche pas. Là, on a droit à quoi? Hello? Tu veux jouer aux cartes? Oh là, non, t'as pas l'air très sociable. On n'y va pas! Il y en a qui aiguisent des couteaux. Oh, qu'est-ce que c'est? Brouillon d'avis. Avis, système de service civil, général de la zone de quarantaine de Boston. On s'en fout. Salutations, en tant que civil physiquement capable, veuillez trouver 6 joints l'ordre de participer à diverses tâches d'entretien de la zone de quarantaine. Présentez-vous à Charles Bridge, bureau principal, le 15 décembre à 6h30 pour être conduit à un poste de gestion des forces armées. Ok. Tout un tas de conneries dans cette usine. Wow, attends. Wanted. Ouais. Je vais chercher pour appartenance au Luciole. De mémoire, je pense que c'est Marlène. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Merci, mec. Alors, eh ben, allons, ok. C'est parti. Faut qu'on passe. Oula. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Bah, il doit avoir un problème, lui. Je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Ouais, il y a un petit problème là. Je te couvre. Élimine-le. C'est mort, enfoiré. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Bon, ça va. Ils m'ont quand même touché une fois. On peut pas passer par là. Hé, aide-moi à monter. Allez, le triangle, s'il te plaît, là. Ok, bien.
Donne-moi ta main. Ok. Bien. Faites voir là, on atterrit où? Alors, à prochaine interaction, je pense que je vais m'arrêter. Par ici, Joël. Bah, je pense que je vais m'arrêter là. Spencer's. Ouais, et ben on va s'arrêter là les amis, on est à 50 minutes, ça me paraît pas mal. Bien, bah j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Dites-moi si vous avez déjà fait le jeu, et dites-moi si vous êtes content que je vous présente ce jeu-là dans les commentaires. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de The Last of Us. Allez, salut à tous!